Bonjour, donc bienvenue dans cette troisième vidéo. J'espère que le cours d'hier s'est bien passé, que vous avez pu expérimenter de nouvelles sensations dans votre corps, compris l'importance de la colonne vertébrale, de l'ondulation, qui est vraiment une des clés majeures au niveau du mouvement à mettre en place pour pouvoir faire circuler l'énergie dans votre corps au niveau de la colonne vertébrale. Et j'espère aussi que cette première vidéo que vous aviez eue sur les 7 piliers vous ont permis de vous éclaircir un petit peu sur ce que vous avez à mettre en place aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un des piliers les plus importants. Il s'agit de l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est vraiment une des clés majeures pour pouvoir régler le problème. C'est-à-dire que si cette clé n'est pas réglée, on ne pourra jamais réussir. C'est comme si cette clé était la première porte à ouvrir. Donc je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guillaume Amand. Donc je suis coach de vie, ostéothérapeute, rebouteux, magnétiseur, professeur de Qigong, de Tai Chi, d'arts martiaux. Je m'intéresse vraiment à tout ce qui concerne le corps et l'esprit. Et ce que j'ai observé dans mon cabinet, c'est que la plupart des gens avaient un problème d'état d'esprit finalement. Ça peut être un problème simple, on en a tous. Parce que la vie n'est pas si facile que ça, la vie nous met des épreuves et nous perturbe. Et du coup, modifie un peu notre état d'esprit, comment on change à travers des événements aussi, qui nous challengent et des fois qui nous mettent dans des impasses. Donc il s'agit aujourd'hui de comprendre que les émotions sont des clés aussi qui peuvent nous perturber aujourd'hui, mais que finalement elles ont aussi une raison d'être. C'est ça aussi dont je vais vous parler dans cette vidéo. On verra dans cette série de vidéos, tout d'abord, un diagnostic, comment faire pour trouver quels sont les perturbateurs finalement de mon état d'esprit. Est-ce que j'en ai? Bien sûr, on en a tous. Et dans la deuxième vidéo, on verra un outil concret pour pouvoir régler ce problème d'état d'esprit, tout seul. Là, c'est vraiment un cadeau que je vous fais, c'est une technique que j'utilise dans mon cabinet, que je fais faire aux autres, que je fais faire à mes patients. Et dans la troisième vidéo, on verra une méditation énergétique qui va vous permettre d'harmoniser vos énergies. C'est très puissant, la méditation aussi, c'est un outil très puissant. Voilà, donc ce qui est important à comprendre, c'est que l'état d'esprit, c'est le support du corps. Souvent, on pense le contraire, on dit oui, le corps, c'est le support de l'esprit. Non, c'est l'esprit qui est la partie invisible de l'iceberg. Vous voyez, quand on voit un iceberg, en dessous, le corps, c'est la partie superficielle de l'esprit. Et l'esprit est caché, mais c'est lui qui retient tout. C'est vraiment cette image qu'il faut comprendre aujourd'hui pour régler ces problèmes. C'est-à-dire que tant que vous travaillez la surface, il y aura toujours quelque chose de perturbé au fond, à l'intérieur, sous la partie visible. Et donc cette partie invisible, il va falloir la travailler, en prendre conscience, pour lui donner des forces, un ancrage, un enracinement, prendre conscience de ces différentes perturbations, pour pouvoir harmoniser son corps. C'est-à-dire quand votre esprit s'harmonise, votre corps va s'harmoniser. Le corps est le reflet de l'esprit. L'esprit est la source de votre corps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, le corps a un impact sur l'esprit. Mais l'esprit est d'abord prioritaire. Donc après, c'est des cercles vicieux. C'est-à-dire que si votre corps est perturbé par l'esprit, alors il va perturber encore plus votre esprit. Par exemple, si vous avez des soucis émotionnels, de la colère, de la peur, des choses qui n'ont pas été réglées, la culpabilité, ça va créer en vous des tensions dans votre corps. Ces tensions dans votre corps vont créer un stress qui va créer un stress psychologique et qui va vous rendre aigri, par exemple. Et donc, ça va être un processus de cercle vicieux. Ce qui est important de faire, c'est de changer de direction et de faire un cercle vertueux. Pour ça, il faut prendre conscience des problèmes. Et prendre conscience des problèmes, c'est mettre de la lumière sur l'ombre. C'est éclairer les problèmes, donc accepter, accueillir les problèmes. Et souvent, les gens ne veulent pas faire ce travail-là. C'est ce que je proposais souvent dans le cabinet et c'est ce que je fais en coaching. Ils ne veulent pas faire ce travail-là parce que ça demande
de se remettre en question. Ça demande vraiment un travail de fond. Et la surface, c'est toujours ce qui est préféré, qui est préférable par la plupart des gens. Donc c'est pour ça que la médecine à cachet, qui cache, est vraiment là pour nous proposer un remède miracle qui ne marche pas. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin de remède miracle, on va régler nos problèmes. C'est ça qui est génial. Donc je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo où on va voir un outil génial pour pouvoir accorder son esprit. Donc à tout de suite, les amis.